ici présents. Population de Nyambalan, par notable, chers élèves, chers invités. Je voudrais aujourd'hui exprimer la joie qui se lit sur les visages de la population de Nyambalan. Ça que je voudrais exprimer en termes de satisfaction pour dire merci à nos amis et de Iskos, graciés. Alors je vous remercie non seulement pour la réalisation de l'ouvrage que nous avons vu ici, mais pour la qualité vraiment de l'ouvrage. Je crois que nous tous qui avons visité le bâtiment, nous avons vu non seulement que le bâtiment est beau et de bonne qualité, mais que les tables également sont de très bonne qualité, sans oublier les installations, eau, électricité, tout. Je crois que ça, c'est vraiment à saluer. Généralement, on voit des réalisations qui ne durent pas. Mais ça, on sait que même les installations, les aires de jeu, nous tous, nous avons l'habitude de voir dans les écoles ces installations. Et je crois que ce que nous avons vu ici à Nyambalan aujourd'hui, vraiment, en tout cas, personnellement, ça me donne satisfaction. C'est pourquoi je voudrais en profiter pour dire que moi, j'avais eu l'occasion de venir visiter avant la fête d'aujourd'hui avec Mme Faye. On a vu visiter, je crois qu'il y avait des choses, des perspectives qui s'étaient dégagées. C'était la réalisation de la grande section. Je crois que M. Dario vient de nous annoncer que cette grande section, il va s'efforcer pour la réaliser. La condition que Mme Faye m'a posée, c'était de voir est-ce qu'on pourrait affecter un autre enseignant. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis venu avec un peu de retard parce que je me penchais sur cela. Je ne voulais pas venir ici sans vous annoncer la bonne nouvelle que j'ai déjà affecté un maître aujourd'hui dans ce cas. Bien que maître Diaphène, les enseignants aujourd'hui, c'est une denrée très rare. Mais compte tenu vraiment des efforts que les bailleurs ont fournis, compte tenu de la qualité de l'infrastructure, ils disent nous également, on va tout faire pour y envoyer un enseignant. Et vraiment, ces choses faites à partir d'aujourd'hui, vous l'aurez dans quelques jours. Au-delà de ça, on a loué la qualité de l'infrastructure. Je crois que Dario l'a un peu ébauché, c'est l'entretien. Parce que nous, Sénégalais, notre mal, c'est l'entretien. Généralement, on laisse de belles choses entre nos mains, mais un mois, un an, deux ans, on revient, on n'a même plus envie de... Voilà. Alors, donc, c'est pourquoi j'exhorterai la population de Nyambalan de ne pas laisser l'école entre les seules mains du directeur. Mais que vous tous, parce que ça c'est pour tout le monde, c'est pour vous, c'est pour nous. Et nous nous verrons particulièrement à cela, à l'entretien de cette école-là. Autre chose qui me tient à cœur, c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui, c'est la plantation des arbres. J'ai un pincement au cœur quand je vais dans une école, dans cette verte Casamance, où il n'y a pas d'arbres. Ailleurs, même dans d'autres zones, chez nous là-bas, là, où nous avons peu de pluie, peu d'arbres, les gens s'évertuent à faire ce qu'on appelle un bois d'école. Je crois que nous l'avons commencé. Il y a une dizaine d'arbres qui ont été plantés aujourd'hui. Il faut continuer à faire pratiquement toute la ceinture avec des arbres. En plus de ça, peut-être vous réserverez une place pour la construction de la grande section et éventuellement pour une cantine. Enfin, on en a parlé avec Dario, une cantine scolaire. Là également, pour aider les enfants à pouvoir se restaurer avant de pouvoir rentrer. Ça également, si on peut l'avoir, ce serait une excellente chose. En tout cas, c'est vraiment ce que je voudrais dire, vous confier, vous population de Nyambalan, pour dire vraiment qu'il ne faudrait pas qu'on revienne ici pour un suivi, que nos partenaires reviennent ici pour un suivi et regrettent pourquoi ils ont mis le bijou là ici à Nyambalan. Je vous remercie de votre attention.